Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à l'unboxing de colis que je viens de recevoir de la poste. Donc il y a une commande Blue Cats et un Blu-ray aussi, que j'ai commandé sur Amazon. Donc on voit tout de suite ça après le générique. Allez, c'est parti! Donc on va commencer tout de suite par l'unboxing de ma commande Blue Cats. Donc j'ai passé commande début de semaine, je la reçois aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est super rapide. Donc j'ai profité d'une offre 2+1 offert. Donc j'ai récupéré le zombie de George Romero en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Donc c'est un film que j'ai vu il y a très 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 longtemps, donc je n'ai quasiment plus de souvenirs. Donc j'en ai profité. Au vu quand même des prix intéressants que propose Blue Cats, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est une pièce maîtresse du film de zombie, celui-ci. Donc il est édité par ESC. Il y a quand même pas mal de suppléments apparemment. Et donc il y a deux versions. Il y a une version européenne, Ultra HD, plus un Director's Cut uniquement US, en Blu-ray. Bon, je pense que je verrai les deux versions pour me faire mon avis. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc au niveau des langues, on trouve du français, de l'anglais, de l'italien, en 5.1 DTS HD Master Audio, sur le 4K Ultra HD. Version européenne donc, et au niveau de la version Director's Cut US, sur le Blu-ray on trouve uniquement de l'anglais, avec des sous-titres français. Donc hâte de revoir ce très très bon petit film de zombies. J'ai récupéré également Les Aventures du Baron de Munchausen. Donc c'est vrai que c'est un film que j'ai vu également il y a très très longtemps. Bon là j'ai vu qu'il avait quand même sorti dans une superbe édition, une sorte de digipack, qui a l'air vraiment, vraiment très qualitative. Donc j'en ai profité pour en faire l'acquisition. Encore un film de Terry Gilliam en plus dans la collection. Donc je verrai bien ce que ça donne au niveau de la copie. J'espère que je ne serai pas déçu au niveau du master. Parce que sur l'ancien Blu-ray, la qualité de l'image n'était pas top top. Donc on verra bien sur celle-ci. Donc, au niveau des langues, on trouve de l'anglais, du français en DTS HD Master Audio sur le Blu-ray. Donc très content de le rentrer dans la collection également, celui-ci. Dans une quand même une super édition. Et enfin, j'ai récupéré L'Histoire sans fin 1 et 2 en Blu-ray. Film que je n'ai pas vu depuis très 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 longtemps également. Donc hâte de revoir ça également. Film de Wolfgang Petersen pour le premier, par contre pour le deuxième je ne sais plus du tout. Et enfin j'ai récupéré de chez Amazon Dead Snow le 2. Donc c'est un film de Tommy Wirkola. Tommy Wirkola, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans mes vidéos, quand j'avais récupéré Violent Night, un film avec David Harbour, un film de Noël un peu déjanté, un peu gore, à la croisée un petit peu de Piège de cristal et Maman j'ai raté l'avion, avec des éléments quand même assez horrifiques. Et celui-ci, c'est un de ses tout premiers films. Donc c'est le Death Note 2, avec les zombies nazis. Je sais pas si vous connaissez. Et bon, il est difficilement trouvable au niveau de... sur Amazon, je l'ai pas trouvé. Sur la Fnac, il est indisponible. Donc sur eBay, Rakuten, mais bon, à des prix parfois... assez conséquent, plus de 40, 50 euros parfois. Donc là, je l'ai trouvé à 9,50 euros, je pense, sous blister. Bon, c'est une édition allemande, du coup. Mais bon, le principal, c'est qu'il y ait bien une VF sur l'édition. Donc,
Bah, je suis content de l'avoir récupéré dans la collection. Il ne restera plus qu'à récupérer le premier, du coup. Mais celui-ci, en import, il n'y a pas de VF, donc je pense que je vais devoir m'orienter vers l'édition française, qui est quand même pas donnée non plus. Bon, bah écoutez, voilà, hein, pour cette vidéo très très rapide, hein, de mes achats, de ma réception d'achat du jour, hein, en Blu-ray. Donc, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, ce que vous avez pensé de cette présentation, ce que vous pensez de ces films, hein, si vous les avez vus, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour les prochaines vidéos. Allez, à bientôt les amis.